texte à bien respecter les gestes barrières. On le fait, c'est pratiquant. Ajaccio, les gens sont très respectueux. C'est ce que j'y vois depuis hier. Qu'est-ce que je vois ? Bon, vous allez bien ? Un petit déjeuner constructif ? Oui, on avance, il faut être concret, je viens de le dire. Merci à vous. Merci beaucoup, messieurs, dames. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Bon courage pour les des classes. Bonjour messieurs, dames. Bonjour à vous, hein. Merci. Merci d'être là. Tout va bien ? Très bien. Bon. Merci messieurs, dames. Président, bon courage à vous. À quand un président sur le Gervin ? Ah, vous l'avez fait avant. Ah, bravo. C'est sympa, vous êtes en train de le faire ? Ben oui, voilà, on vient de terminer. Avec ma fille qui a 20 ans. C'était un clin d'œil pour l'anniversaire. Exactement. Bravo pour ce que vous faites. Bon, ouais. Bon courage. Macron. On va aller un peu aussi. Monsieur Macron. Bonjour madame. Vous allez bien ? Je vais, comment je vais pas. Et vous devriez mettre le masque. Hein. Ouais, c'est pas important. Est-ce que vous en avez ? Pour les animaux ? Oui. Pour la vie humaine ? Alors, et pour la nature. Alors, oui. On attend que ça ici. Alors, vous allez voir. On souffre, monsieur. Alors, mais on souffre. Je vous entends, mais je vous le dis sincèrement, c'est pour vous, mais aussi pour tous ceux qui sont autour de vous. Oui. Il faut mettre le masque et respecter les gestes. Oui, je vais le mettre. Non, mais c'est important, madame, parce que là, comme vous avez de la voix, vous avez du coffre, là. Oui, il y en a de l'espoir. Mais je sais. Il y en a de la pêche. On s'occupe aussi de celui-là. C'est vrai. Comptez sur moi. On vous fait confiance. Vous jugerez sur les actes. On espère beaucoup de vous. Merci à vous. Comptez sur moi. Merci à vous. Et moi, je compte sur vous. Faites-le. Merci à vous. On merci. Vous. Bonjour, mesdames. Monsieur. Argentine. Il vous aime beaucoup. C'est gentil, j'ai un très bon souvenir de la visite que j'avais effectuée. Bonne fin de journée, messieurs, dames. Et bon courage. Merci à vous. Bonne vacances, en vacances. Et vous, les autres, bon courage. Merci à vous. Attention. Et on y va. N'hésitez pas. Merci à vous, messieurs, dames.
matinée, donc avec quelques retards, puisqu'il y a eu donc ce petit déjeuner en présence en premier lieu de Gilles Siméon, puis de Jean-Guy Talamon. Ils sont sortis il y a une bonne heure de ce petit déjeuner. Ils ont réagi à nos caméras. Un entretien a eu lieu avec Gilles Siméon. Jean-André Marcagne, vous étiez là pour prendre leur réaction. Comment ils sont sortis de ce petit déjeuner, les élus de la collectivité ? Ben, on a pu faire donc un entretien avec Gilles Siméon. Ce qui est ressorti, c'est que, ils ont dit qu'ils sentaient en tout cas que le chef de l'État Emmanuel Macron était plutôt à l'écoute de leurs revendications. Les revendications, Gilles Siméon, il les a rappelées. Ce sont évidemment les fondamentaux pour la plupart. La question des prisonniers politiques, la question de la langue corse ou encore du foncier, mais aussi des enjeux socio-économiques avec la crise du Covid. Le chef de l'État Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé hier une aide d'1,4 milliard d'euros pour la Corse suite à la crise du Covid. Siméon, il s'est dit plutôt satisfait évidemment de cette mesure. Là, le chef de l'État Emmanuel Macron vient de partir, il y a seulement quelques secondes de la préfecture. On ne sait pas si les ministres étaient dans les voitures du convoi. En tout cas, la prochaine étape maintenant, c'est Bonifacio pour rencontrer les socioprofessionnels ainsi que les acteurs de la filière du tourisme. C'est d'ailleurs à cette étape que participeront également Gilles Siméon et Jean-Guy Talamon. Alors, ce n'était pas prévu initialement. Est-ce que le chef de l'État a su convaincre, a su séduire le président de l'exécutif de Corse ainsi que le président de l'Assemblée de Corse? On ne sait pas. Nous avons posé la question à Gilles Siméon. Vous découvrirez d'ailleurs son entretien dans l'édition spéciale de midi dans quelques instants. Thank you.